you should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you. Hello my beautiful people. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Maggie Closet. Alors j'espère que vous allez tous et toutes hyper méga 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 bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo cheveux. Ceux qui me suivent sur Instagram, sur Snapchat, si tu ne me suis pas sur Instagram ou sur Snapchat maintenant là, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'en fait tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais vraiment, tu devais me suivre sur Instagram et sur Snapchat aussi, ou bien. Bon alors je blague. Vous êtes libre de me suivre ou de ne pas me suivre. Aujourd'hui c'est, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai atteint cette couleur. Oui, vous avez trop aimé cette couleur sur mon Instagram. Donc les cheveux que je porte proviennent de mon site internet maggieclosette.com. J'ai utilisé 4 boules de cheveux. À la base c'est noir, hein, je vais vous montrer. Ça vient comme ça. Vous voyez qu'il y a une sacrée différence. Hein. La première fois, j'ai d'abord décoloré en marron, puis j'étais pas sûre de la couleur. Puis je vous ai demandé sur Instagram si vous vouliez que je décolore encore plus. Les avis étaient vraiment mitigés et c'était comme 53%. Vous vouliez, oui, que je décolore une deuxième fois et le reste, vous n'étiez pas. Enfin, vous ne vouliez pas. Mais j'ai quand même fait parce que moi-même, j'étais quand même curieuse de voir. Et aussi, donc voilà. Donc ce sont des curly, des mèches curly. Comme ça, vous pouvez utiliser 3 paquets. Hein, parce que moi, au départ, c'était tellement big. Quand je dis big, c'était vraiment big. Tellement big que j'ai fait une photo. J'ai dit, quand mes cheveux, je vais mettre la photo là. Quand tes cheveux peuvent être comme un oreille, vraiment là. Et j'ai coupé en volume, j'ai coupé en longueur. C'était vraiment plus long, genre ici. J'ai coupé et puis voilà. Voilà la couleur que j'ai obtenue. J'aime trop. Avec le collier, avec les boucles, ça va trop bien. J'aime trop. Donc, voilà. Donc, avant de commencer, laissez-moi un petit pouce en l'air, commenter, partager. Abonnez-vous à ma chaîne et attendez. Je vous ai montré mon nouveau packaging. Voici mon packaging. Je vais vous montrer maintenant la vidéo. C'est comme ça que les perruques viennent maintenant. Donc, c'est un sac en satin, comme ça. C'est écrit Maggie Closet, c'est du satin et c'est parfait pour garder vos mèches. Donc les mèches viennent, les tissages, les clippings viennent maintenant dans ce sac-ci comme ça. Et si vous voyagez ou vous déplacez, franchement, vous pouvez mettre vos cheveux dedans. Même si vous avez déjà acheté une perruque, vous pouvez la mettre dedans et facilement la conserver. Éviter que les cheveux se frictionnent avec la matière. Donc ça, c'est vraiment super bon. Et aussi, c'est comme ça qu'on reconnaît une bonne mèche parce que je l'ai décolorée 2 fois et les mèches ont gardé vraiment leurs boucles. Les boucles ne se sont pas, elles sont pas devenues plus lousses. Elles ont vraiment gardé les mêmes et la mèche n'est pas sèche. Elle n'est pas sèche. Elle est vraiment toujours aussi souple. Voilà, donc c'est de la qualité. Hein. Moi, je vous ai dit, je ne vends que de la qualité. Que de la qualité. Voilà. Et le délai de livraison pour les tissages et les clippings, c'est 2 semaines. Donc, il faut laisser comme 1 semaine pour préparer la commande et 1 semaine pour envoyer à peu près. C'est ça. Bon. Allez, j'ai déjà beaucoup parlé. On va commencer tout de suite. Tout de suite. See you. See you on the other side. Donc voici comment se présentent les mèches. Donc elles viennent comme ça avec mon logo tout en haut. Elles sont trop belles. Regardez-moi ces boucles. Regardez-moi ces boucles. Elles sont à tomber par terre. Et là, c'est la closure qui match. Donc elle vient avec 3 fentes. Donc vous pouvez faire des raies au milieu, sur les côtés et ainsi de suite. Donc voilà, c'est versatile, très très versatile. Et là, je vous présente maintenant une fois que j'ai fait ma perruque. Donc j'ai fait ma perruque avec les boules et tout. Regardez comment c'est énorme, c'est énorme. Et là, regardez, c'est encore plus énorme. C'est une fois que j'ai brossé en fait le tout parce que c'est plus facile de faire la coloration sur les cheveux étirés. Donc maintenant, je commence par couper les bouts. Je coupe les bouts parce que j'ai envie d'uniformiser le tout. Comme j'ai utilisé 4 boules de tailles différentes, je voulais que tout soit fait pareil. Donc voilà, je coupe et puis voilà, j'ai divisé ma tête en 4 parties là, mais après je vais diviser en 3 pour faire la coloration. Donc là, je commence par faire la mixture. Donc je mélange, le ratio c'est 2-1. Donc pour une cuillère de poudre, vous mettez 2 cuillères de crème developer. Et ensuite, maintenant, je commence par appliquer au milieu. Je prends la section du milieu et après, je vais à la section du haut. C'est ce qui donne en fait cet effet
ombré, donc le fait que le bas soit plus foncé et le haut soit plus clair. Et sur le bas, je mets vraiment juste sur les bouts. Je mets pas trop derrière, au niveau de la nuque, je mets plus sur les bouts et sur le revers. Donc vraiment pas sur la nuque, mais sur le revers de cette partie-là. Et là, la pose m'avait pris 10 minutes et regardez comment les mèches sont déjà en train de prendre couleur, quoi. Elles commençaient déjà, c'est vraiment, parce que ce sont des mèches virgin, donc elles n'ont pas été processed, donc elles n'ont pas été traitées. Donc là, regardez. Regardez déjà la couleur, c'est trop, trop bien. Et là, ça commençait déjà à prendre après 5-10 minutes en moins. Donc, dès que j'ai fini 10 minutes, la pause, j'ai laissé poser 5-10 minutes et voilà. Donc, ensuite, vous commencez par laver vos cheveux, enlever tout le décolorant. Puis là, j'utilise un shampoing violet. Normalement, il faudrait utiliser un shampoing bleu parce que les cheveux ont une sous-teinte orange. Donc, le bleu va annuler l'effet orange, mais bon. Et vous laissez poser 30 minutes. Ensuite, vous rincez et vous faites la même chose avec l'après-shampoing, toujours violet. Idéalement bleu, mais là, j'avais juste du violet. Et voilà, donc après ça, vous laissez poser encore 30 minutes l'après-shampoing. Vous rincez et là, vous venez maintenant appliquer le soin. Donc, j'applique le soin de Silicone Mix pendant 2 heures à peu près. Là, maintenant, voilà à quoi ça ressemblait. Donc, comme vous voyez, c'est encore un peu orangé. C'est normal parce que les cheveux noirs, leur sous-teinte est orange. Donc, chaque fois que vous décolorez des cheveux noirs, la sous-teinte est orange. Donc, ça va plus d'abord paraître orange avant de paraître blanc. Donc, voilà. Donc, on va encore décolorer hein, parce qu'on voulait le faire. Et je fais exactement la même chose. Donc, j'applique de la même façon. Je vais faire les mêmes étapes. Après ça, je vais mettre le shampoing, après shampoing violet. Et je vais faire le traitement à la Silicone Mix, c'est important. Et là, pour le deuxième traitement à la Silicone Mix, j'ai mis pendant 3 à 4 heures. C'est comme ça que les mèches sont restées souples. Et c'est très, très important parce que ça rajoute du silicone qui permet que la mèche reste souple, en fait. Donc voilà, rien de bien, bien compliqué. Hein. C'est vraiment ça, c'est tout simple. Et voilà, vous laissez. Cette fois-ci, j'ai laissé poser 25 minutes. Donc la deuxième fois, j'ai laissé poser encore plus longtemps parce que je voulais une couleur plus claire. Et voilà le résultat final. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous laissez-moi un petit pouce en l'air, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez là en bas hein, sur s'abonner en français. Activez les notifications parce que c'est très important. Sinon, c'est comme si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. So, why not? Ok, je pense que je suis un peu trop allumée ce matin. Bon, allez, on se retrouve très, très, très bientôt. Je vous fais d'énormes bisous. Mouah. Bye, bye.